Nous avons ces batailles-là. Nous avons ces batailles-là pour nous garantir l'objectif. Objectif pour qui c'est voyer le gouvernement Ariel Henry ça aller. Nous avons ces batailles-là pour nous dire que nous avons une solidarité avec nous. Voilà mes chéris. Et dommage, je ne vais pas nous passage. Mais si nous avons un passage, si nous avons un passage, nous avons tout matériel matériel pour nous dire que nous avons un effort. Comme pour nous partir, c'est pour nous gagner, pour nous partir. Nous avons un peuple président manifesté pour nous faire solidarité avec nous. Tout le ghetto est aujourd'hui pour nous dire que nous avons un effort. On seul nous est. Et tout le monde est en déclaration, tout le leader dans la zone. Bricouri, nous voulons la gagner. Pendant tout le monde focus sur ce canal-là, qui a fouillé. Non, Wanamet, nous tous campés sur les réseaux en mode KPK. Mais la police frappe bandits bien fort dans le week-end qui s'est passé là. Dans la date qui était 16 septembre 2023, agent PNH qui est la Tibonite, est arrivé à tuer plus passé 20 bandits qui fait partie de la gang Riff là. Des monde qui fait qu'on est. C'est environ 25 bandits qui font vrai pour payer sans chapeau. Bandits, ça y est, selon toute information qui arrive à moi, ils ont un cortège qui est chargé avec machine, accompagné avec motocyclette pour aller à l'Yankou. Ils ont croisé avec Chablin de ça, ils ont regardé ce écran là qui n'a pas mangé à un fret. Et puis, machine police qui était sous les lieux. Bandi sa yo, t'apprel rejouin yon équipe l'autre bandi pour te al piller kay moun ki genye yon abandonné dans zone nan. Bandi yon moute sou récif, yon pat konne si te gen chabin de sa ki te nan zone nan. Oh oh! Bandi sa yo, kwaze avec machine nan, et puis yon pral mette bal. Dans les sommets avec ça, il y a 25 bandits qui arrivent à faire vrai pour payer sans chapeau. Pendant nous tout focus, tout journal, tout média a parlé de canal, de conflits qui gagnent dans Wanamet. Tandis que nous ne pas focus sur ce qui passe là, dans les bandits, dans le pays d'Haïti. Oh oh, la police a travaillé, ils ont mobilisé, ils ont décidé. Fan filet bandi yo la Tibonite. Imagine 25 bandi tombe tête noue nan la Tibonite nan gang rifla. Ça veut dire là qu'il y a un pile bandi qui pas là encore, qui pas existé, qui garde présenté yo. Selon information qui rive jwenn moi, Chabin de ça li là qui sillonné tout centre Liankou. Li mande tout moun à la ronde bandé. Pas fréquenter zone sa yo. Quitter espace ta libre pour la police ka contrôler très bien. Parce que la police pas contre ça bandi, ça moun sérieux. C'est zone pour laquelle yo mandé pour moun yo quitter espace là. Tankou tête sous Briac et sous marché en bas l'allée pour Ewa en bas Liankou pour rouge. Tout périmètre Grand Ria, sorti barrière Castra pour arriver en bas Liankou. Bataille a lancé. Zanana paré pour Cizane. Zanana paré pour Zepina. Ça veut dire là, Sakala Kawel. Pas prendre chance pour les zones sa yo, qui m'a cité là. Aucun prétexte. Parce que, faut. Bandi sa yo, bay Liankou. Blanche, c'est ça, la police motive la pour fon file bandi. N'a pas de droite dans le dossier canal là, parce que Jimmy Cherizier alias Barbecue, li avec troupe Genève là, nan tête yon manifestation. Ya, yon fait qu'on est, c'est chauffeur jaret yo, pas de campé. Et li dit, si t'as gagné route, lui-même barbecue avec Genève, ou bien coalition vivre ensemble, on t'a vini, Wanamet, avec tout matériel yo pour être renfort. Mes amis, on a le temps de Jimmy Cherizier alias barbecue qui t'a parlé pendant le temps de tête de manifestation.
Nous lançons cette bataille là. Nous lançons cette bataille là. Pour nous atteindre l'objectif nous. Objectif nous qui c'est voyer le gouvernement Ariel Henry ça aller. Nous lançons cette bataille là. Nous disons nous allons mettre nous solidarité avec vous. On a mis chéri. Et dommage. Je ne vais pas nous passage. Mais si nous avons un passage, si nous avons monté, nous avons monté tout le matériel nous. Pour nous mettre en mettre en forme. Comme pour nous bâtir, c'est nous grand gang et nous grand bandit. Nous sommes dans le président manifesté pour nous faire solidarité avec nous en mettre. Tout le ghetto est aujourd'hui pour nous dire que nous en mettre. On seul nous est. Et tout le monde tend des déclarations. Tout leader dans la zone, quel que Iso, quel que Jeff, quel que le mois sans jour, quel que la population. Aujourd'hui, on a bouffé toute zone qui débarre. Pour les gens dans le quartier populaire, pour les malheurs de Sarayo, ça vient de petit marché sur le la ville. Pour nous, les Dominicains, ne pas rester avec eux, ne pas rester avec eux. Nous avons une plus belle histoire que la République Dominicaine. Nous sommes un peuple, nous avons habitué avec soi et nous avons avec soi. En dehors de bataille pour faire solidarité à Mounouanamet, bataille ça, Mounouanamet, c'est dans mon gars Ariel Henry. Bataille a commencé pour ça, Ariel Fosso n'a plus. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes gardés Jimmy Cherizier alias Barbecue qui trouvait dans la tête une manifestation qui a parlé comme ça. Il dit ni prêt. Les journalistes posent la question, est-ce que il a sorti dans la rue et lui dit comme ça, c'est chauffé, l'a chauffé. Ariel, range quoi, nous n'en boudons. C'est ça, il a déclaré dans la manifestation que tu as gagné. Barbecue était présent, il était sous son là, avec toute équipe, coalition, vive ensemble. Ça veut dire là, je t'ai gâté. Dans mes PM Ariel Henry. Je t'ai gâté dans mes Louis Abinadel. Je t'ai gâté dans mes bonnes nègres qui compte travail qu'a fait dans le canal là. Il y a un peu de monde qui dit oh oui, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour gagner l'autre canal qui peut percer dans le rivière massacre là? Parmi eux, Woody Woodboy qui fait déclaration ça tout. Il entendait, Iso, Vlaï de Dieu te dit, si c'est eux-mêmes qui te prennent le mouvement, ça a bien 5 autres canaux qui ont percé encore. Et laisse ça, Louis Abinadel, qui a dit why. Next, on a regardé sur l'écran là. On a regardé. Il y a un peu de monde immédiatement qui a affiché la photo. Qui a dit qui est. Mais si on a regardé sur l'écran là, Miserele Asalos. C'est lui-même qui était dans l'enterrement Jovenel Moïse. Qui t'a joué blanc américain yo. Joue funérailles ancien président Jovenel Moïse là. Ça fait plusieurs temps nous partons de Asalos. Je vous dis là maintenant qui est à Asalos trouvel. Oui. Gen on voice quand ce qu'il est sur réseau comme quoi Asalos fait qu'on est. A ça veut faire qu'on est que c'est net politique dans le pays d'Haïti qui a mangé. Il fait qu'on est si n'importe moun fait erreur, la psyé. Mes amis, il pas la grave non mais Asalos oui. Asalos ça qui t'a joué américain yo non enterrement ancien président Jovenel Moïse là. Li fait qu'on est l'étendant monde invisible depuis mois mai 2023 et li fait qu'on est tout si n'importe monde fait erreur la tiyé li selon Asalos li fait qu'on est bagaille blanche qui levé sous col là nous était qu'on s'est décalé. Il dit, c'est pour col qui sortit, le transformé. C'est celle que nous avons dit, l'axel qui était.
Les transformer, c'est celle qui est. C'est celle qui est avec, avec ziel, l'irrité. C'est ça le fait qu'on est. Et, ça me dit là, moi dis selon Kari Met. Nous tous connaissons qui est ce que est Kari Met. Et un gars de Asalos, on est, depuis après, il a tout point Asalos. Mettez en bas un lit, flâner, baliser pour le manger. Quelqu'un qui dit, puis gars c'est Zé, Asalos fait manger. Zé, il a tout tiré calé sur lui comme ça, non? Mais non. Selon on voit, est-ce qu'il qu'il est Asalos fait qu'on est? Il était dans le monde invisible depuis mois de mai 2023. Il fait qu'on est. Si n'importe monde fait erreur, la tiré lui. Selon Asalos. Bagay blanche qui sous col yo, c'est pas col qui sorti du transformé. C'est celle Kelly Axieli qui rete. Mais bon citoyen qui sous réseau, il fait qu'on est lui parler avec Asalos. Il fait qu'on est lui seul parler avec Asalos. N'a garder poste là, mais c'est les Avenel Laurent. Il dit nous sommes parlé avec Asalos, monsieur dit li malade en pile. C'est net politique yo k'ap manje l. On t'ai parlé monsieur, li pa t'tande. C'est ça Avenel Laurent écrit sur compte Facebook li. Et en plus, selon journaliste Ariel Telis, il fait connait. D'après ça, Blaise Roberto Flanky signalé Asalos nan gros difficulté. Misé malade grave. Li bezwen sipo. Vrai nom Asalos c'est souffrant. Clavius alias Asalos. Pas garder ça. Li te dit ou fait pour nous pas aider. Si li te jwenn si po zanmi li yo, li veut parler de Yuri la Toti. Li pa ta partager problème li sou réseau social yo. Chache jwenn Asalos pou edel. Et n'ap jwenn li sou numéro sa ke m gabay la. Numéro a pati comme ça. 37 98 26 78 m'a préparé pour nous. Pour moun ki besoin joine Asalos pour aider, nous ka entrer en contact avec nan numéro ça que m'a préparé pour nous là. 37 98 26 78. Parce que j'ai regardé Asalos là col blanche l'a décalé et le même fait qu'on est. C'est pour col qui commence à changer. C'est seulement que avec Zieli qui était. Mes amis, aidez Asalos prier. De trouver une situation difficile. Donc Asalos qui était pour disposition. Qui était entré 17 longueurs dans maman. Blanc américain. Qui était là dans l'enterrement de Jovenel Moïse là. Elle te dit you Asalos. Déjà nous connons moi petit point. Et pas moins qu'à répéter le pour nous. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission et vous même faites tomber sur channel ça. Demandez pour abonner, peser sous cloche notification, hein. Retirer sous personnaliser sous tout pour l'un d'avant vidéo pour pas rater. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous venir traiter un autre dossier. Il implique l'État, on l'autre l'État. Eh bien, l'État prend le leadership là. La population est toujours là. La population a toujours participé, la population a toujours une vol. Mais où est ce ministère ou là, où est ce engin de l'État qui là, où est. Je ne comprends pas. C'est à ce niveau, nous sommes capables au moins gérer un ensemble de problèmes nous avons éventuellement à l'avenir. Nous avons fini guerrier pour nous dire, à partir de là où nous avons commencé par les dossiers, jusqu'à ce que le canal a fini guerrier. Mm-hmm. Nous ne devons pas faire de lion mise en contexte chaque matin, mais nous parlons de lion. Oui. Ça, c'est peut-être un engagement par nous.
n'a parlé de lui. Et nous excusons auprès de mon Nord-Est. Week-end ça là, nous t'es doué Nord-Est. J'en ai annoncé ça. Nous t'es gagné empêchement de dernière heure qui fait que nous pas Nord-Est. Mais c'est certain, week-end prochain, n'a pas là en chair et en os. Oui, bonjour Gary. Oui, bonjour Johnny. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je dis là, focus là, c'est ce canal là. Et c'est ce canal là parce que nous-mêmes, nous suivons élan, solidarité, et question ça a soulevé. Donc, nous croyons que nous devons utiliser pour que nous soyons capables d'aller plus loin. Et, ses amis, qui s'est capable de difficile, parce que là, maintenant, on va le faire, le journal là encore, non, téléphone avec des réactions publiques. Émile, toujours sur le dossier Canal 1. Et nous allons parler avec le correspondant de nos richesses, Maudelin, tout à l'heure, qui lui-même dit nous parler avec un agronome qui est sur question accompagnement technique que nous avons parlé là. Et c'est même ça, nous allons parler avec agronome Franzi Joseph qui lui-même a souhaité partager avec nous compréhension de dossier ça. Et il dit qu'il connaît bien le projet ça, comment il a commencé et qui ça perspective yota drouillé et qui ça que t'as fait pour canal capable potée bien faite selon Saldi. Donc toujours la question accompagnement technique Johnny qu'on souhaitait qui gagne là pour Pita Papitrice pour que nous pas fond là et puis pour ces trous nous à fouiller pour nous rentrer là dans les agronome Franzi, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Yedicel, bonjour Johnny, bonjour Nodès, bonjour mon Anamet, bonjour mon Doucement. Bonjour tout auditoire Radio Caraïbes, c'est un réel plaisir pour me capable avec nous sur antenne radio pour me capable mettre des précisions et parler ben faire un petit briefing soit par rapport à vraie histoire canal là qui a été commencé étant de même c'est un initiateur de ça et puis parler des enjeux et perspectives qui ka gen Jean-Johnny Tabdil par rapport à l'avenir pour que nous pas fin faire canal là et puis nous pas utiliser c'est là ça pas gagner des conflits sociaux pas gagner des problèmes qui éviter que par un d'autres disponible pour capable utiliser et laisse en penser li nécessaire pour gagner des interventions techniques de la part de l'État haïtien, de la part du gouvernement et puis associé avec la population au moins pour nos bons résultats qui durable et viable. Mm-hmm. Ou même ou c'est qui est, dis-nous dans un moment projet ça a démarré, qui va être joué, pas non petite précision non. Dans le moment où j'ai ça démarré, moi-même, moi j'ai travaillé pour le ministère paysanier. Moi j'étais responsable volet agricole sur le plan national dans quatre programmes pour les paysans. Et pour le ministère paysanier, qui était un ministère délégué et qui était sans portefeuille, c'est lui-même qui a fait monitoring, c'est lui qui était avant-gardiste. Des projets, ça c'est nous-mêmes. On parle du talent côté IDIS à sortir. C'est une idée qui était pour une initiative férié dans plein Maribao, ensemble avec planté férié. Dans l'église qui sous deux mondes rentre férié à là. Et là, ça c'était ministre Mimous Félix, qui était ministre paysannerie et qui était à la base des belles projets, ça, des conseils avec et ministère de l'agriculture. À l'époque, qui était en tête, le ministre Thomas Jacques. Et c'est nous-mêmes qui avons initié ça et non pas le fonds de l'histoire. C'était pour rapide. Rapide. C'est un prélude à des activités, notamment dans quatre programmes pour les paysans dans le département Nord-Est. Et là, ça a été un prélude à une grande activité qui c'est dans quatre programmes pour les paysans qui ont été réalisés dans la commune Wanamet en juillet 2014, qui était réuni environ 100 000 monde environ qui étaient plantés, qui étaient sortis dans tout le département. Nous avons une distribution, nous avons fait dans la commune et nous avons fait dans tout le Nord-Est. Mais nous avons allé dans la commune Ferrier, dans Aribao. Dans l'église, dans l'entrée Ferrier qui est sous bord gauche là. Pendant la distribution, nous avons fait une période de sécheresse. Nous avons dit planter Maribao. Moi-même, comme agronome, et ministère paysannerie, l'État haïtien gagne un appui là-bas à planter. On va le distribuer ce semencement, non? Haricots, nous ne pouvons pas planter dans plein Maribao. Mais, il n'est pas nécessaire pour nous vivre dans plein Maribao, pour nous perdre du jardin, pour la tête de l'eau. Moi, je dis, moi, connais le ministère de l'agriculture, un gros projet
pour yo capable irriguer plein Marie Barra. Mais en attendant, est-ce que nous pas qu'à réfléchir entre nous une solution à court terme qui capable permettre nous aller un souffle? C'est dans le moment ça là tout le monde a été campé à l'association à l'unanimité pour dire oui, nous avons un bagage que nous avons fait ça qui est un boucan net en bouillie. C'est qui ça le pays? Les gagnants de la rivière Diassa, les gagnants de la rivière Canary qui alimentent et plein de Maribao. Ils ont un côté rencontré qui est trop plein. Ça veut dire, dans la limite, côté rivière Canary rencontré avec rivière Diassa, ils forment trop plein. Dans la période pluvieuse, paysans n'ont pas de difficulté pour user parce que de l'eau lui-même les vient monter où ils ont canalisé avec pelle avec pour user déjà de sans problème. Maintenant période étiage côté de l'eau vient baisser puis par rapport à ben rivière lui mandé une intervention faut avoir un pompage pour être capable d'augmenter débit de l'eau. Quand il y a là planter on te dit si nous prenons un branche en massacre et qu'on est possible nous capable faire laisse ça nous capable mettre une porte nous mettre des canaux qui pourra permettre nous jouer fermer à volonté qui pourra augmenter qui pourra compléter débit de l'eau dans tout plein laisse ça nous continuer à user même si pour qu'on ait système canal irrigation comme si nous avons travail maçonnier pour qu'on fait mais au moins paysan yo a plus ou moins qu'à user et bien c'est de là étant moi relé chef pas qui s'est mis Marie Mosfé, qui était ministre paysannerie, lui-même dans l'immédiat, pendant que j'étais avec Marie Baroyo, dans l'église là, lui-même dans l'immédiat, il relait premier ministre d'alors, et il relait premier ministre pour faire président, qui était l'époque, pour j'ai fait un souligner pour lui, il était commencé en 2014, c'est sous gouvernement, président Matéli Lamotte, qu'il était commencé. Il relait pour faire état de, mais qui ça, il réfléchit par rapport à Marie Baroyo, mais effectivement, gouvernement n'a pas eu objection sur ça. Littéralement, dit, eh bien, c'est une belle initiative. Avancer, littéralement, faire une réunion entre le ministre de l'Agriculture, qui c'est Thomas Jacques à l'époque, et puis le ministre paysannerien. Et puis, nous avons un directeur départemental agriculture de ça, qui c'est Eric Auguste, qui était là de l'époque. Et puis, moi-même, nous avons fait un monitoring pour contre le ministère. Et qu'ils sont réunis, nous avons une réunion qui était faite entre le ministre de l'Agriculture et le ministre paysannerien pour demander pour avancer sur le dossier. Et c'est de là, étant ministre paysannerien, qui c'est Marie-Mimous Félix, il était délégué Patrick Sévère comme un cadre qui était un conseil, qui t'a mis des conseils techniques au niveau ministère, pour te venir dans Nord-Est, pour aller rencontrer nous, pour nous être capables de faire visite. Et c'est de là, étant au lendemain, tout le monde m'a arrivé à où, agronome Baptiste Vini, nous avons gagné Agritrans, à ce moment-là, nous avons gagné Agritrans, qui a gagné des engins lourds au niveau du département de Nord-Est, qui était Jovenel Moïse, président de Féanté là. Quoi, nous devons aller dans l'expert agricole qui est allé. Premier dossier technique qui était monté sur le canal là, c'est une fiche technique. Fiche technique, ça, c'est Patrice Sévère, l'ESA qui était, c'est un agronome qui a connaissance dans l'eau, mais il est côté ministre de l'Agriculture. Ça, c'est le premier document qui était écrit, document technique. Et deuxième bagaille, il était venu, il y a une réunion tout de suite qui est allé faire, dans ferme côté agricole là, entre Marie-Mimous Félix avec le président Jovenel Moïse. Des fins qui parlent là, pour y te parler sous affaires possibilités qui gagnent pour y te faire canal là. Effectivement, président Jovenel Moïse, te point idéal, qu'est-ce que nous voulons laisser pour côté président, il te dit, ah, il y a un bagage comme ça, moi-même, moi pas de problème, moi pour nous avancer. Et puis, tu as une réunion qui était faite entre ministre Thomas, et puis, tu as une un protocole d'accord. Sous base document fiche technique là, tu as une un protocole d'accord. Qui était élaboré entre le ministère de l'Agriculture avec FIM Agritrans. Agritrans, laisse ça, protocole d'accord ça, était autour de un montant de 10 450 000 gouttes. C'est le ministère de l'Agriculture, laisse ça, gouvernement autorisé, le ministère de l'Agriculture pour être capable d'avancer. Et laisse ça, tu vois, compte de DG qui c'est 209 000 gouttes, et puis sous compte de gagner, il y a un total de 10 241 000 gouttes qui pour FIM Agritrans qui est supposé exécuter et canal là. Et puis c'est de là étant. Okay, ça veut dire, ça veut dire c'est quand c'est l'agent ça, Agritrans c'est Genamel, 10 millions. 10 millions, protocole d'accord était pour 10 450 000 gouttes. Tu as gagné un compte DGI qui était pour 209 000 gouttes. Tu as vu un total de 10 241 000 gouttes que. Agritrans a besoin pour le faire en fonction des études propositions qu'elle a fait. OK. Sous base protocole d'accord. Mais laissez pas de maçonnerie là-dedans. C'était non, pas de maçonnerie parce que laissez ça, nous-mêmes, qui étions avant-garde dans le ministère paysan, nous étions en deux phases. Première phase, nous étions, c'était fouille là. Parce que son jeune paysan, on te dit, depuis que l'eau arrive, même si pour qu'on gagne, même si pour qu'on gagne maçonnerie, il n'y a pas de problème. Mais nous-mêmes, après étude là,
sol, si on me constate, on regarde sol là, l'itéontigène, l'immuno sablé, pendant fouille là commencé effectivement, et agritrans, tu allé commencer, et canal là, l'ité commencé, mais pendant fouille là, nous t'es venu regarder un pile côté, terrain t'a bimé. Pendant terrain t'a bimé, ça t'es venu ban nous, yon l'autre idée pour nous avancer rapide par rapport à la deuxième phase projet. Côté nous t'es dit, de conseil avec le ministre de l'Agriculture, ministre de paysannerie, nous t'es mis d'accord que yon poil avance avec yon l'autre phase qui était par là, gouvernement qui partait une objection pour ça à l'époque. Qui c'est bétonnerie? Bétonnerie qui c'est maçonnerie, puis on fait au niveau canal là, puis on capable de arriver à résoudre le problème parce qu'il y a un peu le côté était abîmé. De là étant, en 2000, si bon date précisément, premier virement, gagnant ensemble de virement de 65% de l'argent, le 9 octobre 2014, qui était fait, il était avancé, soit 6,650,650 gouttes, qui était bail sous compte agritrans pour lui-même, il était capable de commencer le travail là. Et après ça, le travail là était venu commencer. Le travail là était commencé. Et si vous regardez, nous avons commencé, le travail là était commencé en bas, tout près, tout plein, pour avancer vers rivière Massacre. Mais il n'est pas devenu fini. Quand on a mis, c'était nous-mêmes, son paysan, qui a fait monitoring, monsieur Mosfeli, qui a mené des concerts avec l'agriculture. De là, étant en 2014, arrivant en décembre 2014, le gouvernement est venu tomber. Travail là lui-même, laissa, il était confié sous compte ministère de l'agriculture pour travailler là, il était capable de continuer. Et après ça, tu es venu gagner un temps mort, côté travail, tu es venu camper, après le ministère paysan, le ministère sans portefeuille, il était venu fermer. Ça veut dire que nous n'avons pas d'autorité pour nous être capables de continuer à faire monitoring des pressions pour travailler, continuer à faire. Après le travail, tu es venu fermer, laisse ça, Jovenel Moïse était venu candidat, était venu élu président à l'époque, il était venu élu président, laisse ça, il était continué. Il était venu lever, travail, il était continué avec le travail là. Et après, il y a plusieurs autres corps que le ministère de l'Agriculture, à travers des films de construction, après, il y a deux autres films de construction. Qui était venu, qui était engagé, soit Beko, et il y a un génie concile, c'était l'autre que le président Jovenel était venu engager pour faire des travaux. Mais ça ne va pas rentrer dans trop de détails de ça. Mais quand il y a là, l'un vient arriver canal là, vient fait, il n'est pas fini toujours sous président Jovenel, mais il y a une difficulté, il y a tout le temps pour parler, il n'est pas arrivé fini. Mais je ne dis pas, pour en mettre, juger, il y a un projet comme ça, il y a un visage comme ça, il n'y a pas qu'à camper, il y a un destin en main. Pour être capable de river porter de l'eau à Maribao et gagner une précision technique que moi-même je voulais mettre pour nous. Très bien. Une précision technique que moi je voulais mettre, c'est, sous songer, un document, qui c'est un document, parce qui est capable, utile, moi je voulais parler pour nous dire ça, qui est capable, utile à construction, à continuité, quel que soit le groupe qui est à continuité, c'est un sécubéo. Premier étudiant, c'est Cubméo qui t'est fait pour compte agritrans. Ou après, si tout le temps de Agolante parle de un document en espagnol, ça c'est le premier document version originale pour GA que film agritrans t'est fait étude là. Deuxième bagaille, canal là, ou après, dans le protocole d'accord, il te dit que la donne, sous garde, il y a des bagailles peut-être qu'on va partager avec vous, capable de que il te dit qu'il y a 5 000 hectares environ en bas qui t'est cas, soit regarder. Mais c'est 3 000 hectares, il te dit qu'il vraiment carousé. Là, on dit que c'est 3 000 hectares qui carousé. Ça pas veut dire que Maribao, c'est 3 000 hectares de terrain qui irrigable. Non. Ça veut dire que le canal là, en fonction des positions géographiques, là, on vient laguer dans trop plein pour permettre qu'il vraiment situé en aval, pas gravité. C'est 3 000 hectares. Mais il y a un lot. Gagnons l'autre et intervention que le premier ministre nous a fait, nous avons fait avec des planteurs qui s'allient, c'est par rapport à Angers. Si nous regardons les journées aujourd'hui, tout côté qui gagne un système d'irrigation, toujours gagne des conflits qui existent entre nous par rapport à la gestion de l'eau. Nous-mêmes, dans la période-là, nous avons imaginé ça. Et si nous faisons considération technique, si nous regardons par rapport à relevé topographique-là, si nous regardons côté canal-là, abonné avec Rivière Massacre, ça qui a privé dans Rivière Massacre, ou après, si vous regardez des vidéos, li extrêmement fond, c'est parce que là, vous faites relevé topographique là, PK qui permet de chercher pas de dénivellation pour de l'eau à aller sans problème, non, c'est là que li bail que de l'eau aller même la 40 pour le descendre par gravité. On y a là, première considération qu'on a fait, moun qui n'a pas Rivière Massacre, yo, pas de possibilité par rapport à canal ça, si pas de travail technique pour yo capable
rouge terrain yo. Et bien, ou a regardé première approche que nous t'ai fait, c'était dit bon, dans sens ça a gain des bagages qui possible sur le plan technique. C'est soit ministère agriculture li fait des systèmes de pompage pour permettre que tes ça yo qui piwa parce que yo irrigable tout pour mettre sous canal là pour permettre poser. Donc elle dit deuxième l'autre possibilité, c'est avoir prendre un point. Garder qu'on y piwa côté yo ka prendre l'autre prise qui permet même si on fait des aqueducs qui viennent traverser canal yo mais qui piwa qui viennent permettre canal ça yo viennent roser sans problème pour éviter des conflits, pour éviter côté moun terrain yo. Le canal a passé sous terrain, tout le monde a passé, et puis vous-même, vous venez pas capable. Vous venez pas capable de user terrain, vous avez perdu le jardin, et puis c'est là que vous avez capable de conflits sociaux. Nous-mêmes, nous avons le temps pour voir ça, et nous pensons que l'intervention que M. Johnny a dit, c'est dans le niveau ça. Dans le niveau ça, nous avons fait des voyants faits accomplis. Côté population lui-même, lui montrer ça que lui-même si des résistances, lui montrer que lui a volonté, lui montrer que l'envie vive, lui montrer qu'il a besoin de sortir sous dépendance parce que l'un dit plein Maribao c'est premier département nord-est. Ça veut dire que à chaque fois nous gagnons plein Maribao c'est environ 10 000 hectares de terre irrigable. Ça veut dire à chaque fois nous avons une possibilité pour nous arriver irriguer. Ça veut dire il fait tout ou fait toute bagarre au niveau plein Maribao. C'est là ça. C'est demande là. Ou à poil réduit au niveau République Dominicaine, au niveau de l'autre pays. Agodam Frenzy. Agodam Frenzy. N'a pas noté pour moun yo, abdon ba qui très important, on ba qui fondamental matin. Hein? Et off mic, ma guerrier t'a échangé sous lit. Moi t'a vle nous font tirer sous ça. Pour ba moun yo doit noter, c'est que yo parle de 3000 hectares de terre. Donc Agodam nan fin qu'on est là, gen environ 10000 hectares de terre l'autre bois. Donc entre système de pompage ou sont évoqués tout à l'heure et prend de l'autre prise dans rivière massacre là pour permettre une série de terre qui tout près ou bien qui sous côté canal ou mieux irrigué qui ça qui plus réaliste pour nous autres dans le moment on a parlé là ça plus réaliste là premier bagage là c'est permettre 3000 hectares qui en avant là qui bien positionné qui ca oser pas gravité là c'est permettre d'abord, lui finit d'abord, et puis après ça, l'autre respatia, il a pensé avec lui. Même penser ça qui est primordial là, c'est fini canal là, permettre que au moins de l'eau descende par gravité pour permettre au moins 3000 hectares au travail toujours. Donc okay. Ça veut dire, les nous prenons prise là, nous opérationnons le travail, nous allons penser pour de l'autre prise encore. Exactement. L'un fait une prise. Monsieur Johnny, songez. Par exemple, bon problème qu'a répété au niveau Pélig là, au niveau Pélig. C'est parce que du courant, yo était là, courant passé bon côté par yo, yo même yo pas gêné à chaque fois yo bloqué route, on sait des bagages. Et me penser comme l'état haïtien, on avant-gardiste, nous supposé garder problème dans tout angle. Pour au moins qu'il nous évite à la fin. Donc, ça, c'est pour permettre de dire ça. Donc, c'est pour capable éviter les conflits puis devant entre pays. Puis devant, il y a des conflits. En attendant, si nous avons intervenu, nous devons comprendre que soit nous pouvons intervenir. Au moins, nous avons géré ça, Johnny Tian, toujours. Au moins, 3000 hectares, nous avons géré. Mais, nous connaissons que nous avons une intervention qui a été faite. Au moins, vous voulez ça, je pense, il y a plus ou moins de espoir. Et je pense que ça, ça peut éviter des conflits qui sont capables, au moins, pour qu'on ait la fin de faire, pour ne pas utiliser le Jean-Johnny Tapia. Très bien. Ouais. Et puis, je ne sais pas si je suis capable de conclure. Je conclue. Pour être capable de dire, il y a un autre point technique, je vais dire encore. Que des ingénieurs, je pense que dans le moment ça là, il est déterminant, même si la population fait tout ça, est capable. Songez, il y a une étude technique qui fait. Et je souhaite que vous inspirez des données techniques qui sont disposées pour qu'on ait la fin de fête pour nous, ils vont côté nous pas qu'à utiliser. Et je dis un bagage qui est fondamental. Je souhaite que, pas gagner émotion, gagner toute technicité qui fait, pas gagner. L'offre canal ou pas qu'à faire canal pour gagner de l'eau disponible pendant toute l'année ya, sans qu'il n'y ait pas de barrage. Et songez, et canal, côté où fait, ou, généralement c'est dans le méandre où fait. L'en parle de méandre, c'est coupe de nivellation, ou après c'est dans la coupe qui est par Haïti. Si vous regardez la République Dominicaine, ou regardez chaque côté où fait, c'est dans le méandre qui pour permettre l'écoulement fait facile. Et, mais l'offre, l'offre vient dans le méandre là, faut gagner un barrage généralement. Et si vous regardez, c'est un bail qui typiquement
avec ça qu'a fait la tannerie. Si vous regardez le barrage la tannerie, on voit que depuis de l'eau à venir, plusieurs points sous l'île, ou après que il y a pas de problème de l'eau, a toujours de l'eau. Ça veut dire ça. Il y a une période dans l'Aléa, de l'eau a baissé dans rivière Massacre. On pas besoin d'être tellement si gagné dans moment ça là ou après pelle extravatrice là li en fait coup de pelle là ou être l'eau descend sans problème.